Bonjour, je m'appelle Maryse Delisle. Donc, on est le 19 avril 2023 pour encore une fois la communauté d'échange des après-cours sur la reconnaissance des acquis des compétences pour les métiers semi-spécialisés, la RAC-FMS. Alors, bonjour à tout le monde, puis bonjour à merci à ceux qui écoutent en différé. Ça fait toujours plaisir de voir que c'est réécouté les après-cours. Alors, je vais vous partager notre petit ordre du jour d'aujourd'hui. Puis, voilà. Fait que premièrement, si les personnes qui viennent d'arriver, allez, s'il vous plaît, là, indiquer vos présences. Là, Richard a mis le lien dans le clavardage. Donc, c'est toujours plaisant. Là, ça me permet de savoir, premièrement, pour nous qui est là, mais aussi pour vous de retourner des fois dans les présences. Hein, je peux l'ouvrir, là, de quoi ça a l'air, nos fameuses présences. C'est qu'il y a vos noms, vos adresses courriel, qui a été là quand. Fait que ça permet aussi de dire, ah, il y a quelqu'un qui a dit des affaires, c'était tellement wow, c'était qui donc? Plutôt que d'écrire, de m'écrire, de dire, Marie, c'est qui la personne fantastique? Puis là, je vais dire, ben c'est telle personne. Là, je nomme pas nom pour pas gêner personne, mais certains vont se reconnaître. Fait que c'est ça, je vais dire, ben voici. Donc, c'est un petit truc comme ça pour les après-cours. On est une communauté d'échange, hein? On jase ensemble pendant la rencontre, mais le but aussi, c'est que vous vous réseautiez entre vous après, entre les rencontres. Donc, voilà. Donc, mot de bienvenue, c'est fait. Alors, je voulais vous parler là, de ma petite demande. Là. Beaucoup de personnes l'ont reçu par courriel, la demande de témoignages d'histoires liées au parcours des personnes candidates RAC-FMS là, pour le pré-congrès de la KFGA qui est la semaine prochaine. Encore une fois, on parlait de développement de vos projets, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est toujours vraiment intéressant. S'il y a des questions particulières. Puis aussi, là, je rajoute un petit sujet, répertoire des métiers en anglais, là, ça existe, comment s'y rendre. Puis évidemment, à la fin, là, je fais toujours un petit rappel des ressources. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions tout de suite qu'on voudrait ajouter à l'ordre du jour pour être sûr de ne pas, passer droit. Des fois, si vous ne voulez pas tout de suite prendre la parole, vous pouvez aussi écrire dans le clavardage, là, il n'y a aucun problème. Donc, premièrement, bien, j'ai envoyé un petit courriel à ma liste là, de distribution de la communauté de RAC-FMS. Donc, vous savez que dans le cadre de la KFGA, j'organise une petite communauté d'échange là, pré-congrès le mercredi après-midi. Donc, vous pouvez soit être en présentiel, il n'y a pas beaucoup de personnes, là, une douzaine de personnes présentielles. Vous pouvez encore, il n'est pas encore trop tard pour vous inscrire pour. Je ne pense pas qu'il est trop tard pour vous inscrire pour. L'activité en ligne, si ça vous tente, je pense que c'est une quarantaine de dollars là, pour être là en ligne avec nous parce qu'évidemment, moi, j'anime une communauté. Ce n'est pas moi qui a tout à raconter. C'est vous qui avez tout à raconter. Puis là, je voulais qu'on parle un peu de l'histoire de nos personnes candidates. Fait que ceux qui ne peuvent pas être là, puis les personnes qui ont eu beaucoup de personnes candidates, bien, si au moins vous pourriez m'envoyer par courriel, quelques histoires. Fait que j'ai intitulé ça, je vais vous grossir, là. Parcours d'une personne candidate RAC-FMS. Là, pour s'assurer de la confidentialité de la personne, je vous invite à mettre plutôt des informations un peu plus génériques, là. Donc, mettez un nom fictif, un prénom fictif pour la personne. Bon, le métier reconnu, c'est le bon métier. Le type d'entreprise, mettons, si c'est IGA à telle ville, bien là, ça serait de mettre commerce de l'alimentation, tu sais, plus le secteur commerce de l'alimentation, comme ça, on ne veut pas préciser, puis tout d'un coup, qu'on reconnaisse les gens dans la petite ville où est-ce que c'est chez nous. Le nombre d'années d'expérience que la personne a dans le métier, des fois, ça peut être intéressant. Une brève description du parcours scolaire de la personne. Bon, tu sais, parce que des fois, il y a des gens qui font des métiers semi-spécialisés, il y a eu quand même qui ont fait du cégep, là. Puis des fois, tu as des personnes qui n'ont pas fini le secondaire. Donc, c'est le fun d'avoir un petit peu le parcours des personnes. Je trouve que ça va nous donner une belle idée. Ensuite, bien, ça a été quoi les retombées pour les retombées? Tu sais, les avantages, la réaction de la personne là, quand elle a terminé la démarche. Fait que ça serait le fun de le dire. La retombée vraiment personnelle de la personne candidate.
Puis pour l'employeur, qu'est-ce que l'employeur a dit de ça? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Fait que c'est le fun parce que souvent, quand on fait un projet en collaboration avec un employeur, ben, il faut que ce soit gagnant-gagnant, là. Ça peut pas juste être gagnant pour eux. Il faut que les deux ils trouvent un avantage. Puis s'il y a d'autres petites informations à ajouter, écoutez, j'ai fait ça dans Word, là. Fait que n'hésitez pas à ajouter des éléments. Fait que ça a été envoyé par courriel. J'en ai reçu, je pense, une. J'ai pas recensé tous mes courriels ce matin, là, mais ça a commencé à rentrer. Donc, j'aimerais beaucoup que les personnes qui soient, que vous soyez. Que vous puissiez m'en envoyer parce que c'est certain que sinon, on n'aura pas grand-chose sur lesquels échanger. À la QFGA, donc c'est le principe d'une communauté d'échange, là, vous devez participer. Donc, si vous voulez, là on est rendu un petit peu, bon, c'est ça, mais les envoyer pour lundi prochain, là, ça serait vraiment, vraiment super apprécié. Alors, voilà. Bon, répertoire des métiers semi-spécialisés en anglais, je vous ai mis le lien ici. Vous savez que, ben, premièrement, je vais vous montrer ça ici. Dans la foire aux questions de la RAC FMS, ben, on a une belle question. Fait qu'on va faire la question-réponse. Est-ce qu'un centre de services scolaires francophone peut émettre le CFMS en anglais? Au clavardage, qu'est-ce que vous pensez? Fait que la réponse, ben oui, c'est oui. Donc, pourvu que la démarche de RAC FMS ait été effectuée dans cette langue, donc peu importe que vous soyez une commission scolaire anglophone, vous pouvez faire des démarches de RAC FMS en français. Vous prenez l'instrumentation en français et le métier français. Et si vous êtes un centre de service scolaire francophone, mais que vous avez une clientèle de langue anglaise ou pour lesquelles ça serait beaucoup plus facile de réussir la démarche en anglais. À ce moment-là, vous devez aller chercher premièrement les gabarits d'instrumentation en anglais. Puis deuxièmement, ben, vous pouvez aller dans le fond, tu sais, il y a un petit onglet français-anglais sur le site du ministère d'Éducation pour là, les métiers semi-spécialisés qui a été traduit. Donc, vous devez savoir que quand vous allez regarder les programmes d'études, les programmes d'études n'ont pas, ont des codes différents. Donc, faites bien attention si vous voulez là, faire, tu sais, comme quand vous allez déclarer dans Charlemagne le métier, assurez-vous, mettez pas vos codes de métier francophones, vous devez vraiment aller vous assurer. Quand vous inscrivez la personne à l'étude, à l'entrevue de validation, et après ça, quand vous délivrez, là, vous demandez le déclenchement du certificat, assurez-vous d'avoir les bons codes si c'est pour une clientèle, ben, pour être sûr que le certificat s'émette dans la langue de passation de la démarche. Donc, toujours une idée où est-ce que quand une personne reçoit un certificat et qu'il monte à un employeur, ça veut dire que la personne, elle est capable de faire le travail dans cette langue-là. Fait que juste la langue d'émission du diplôme est une preuve de compétence de travail dans cette langue-là. Donc, l'important, si une personne, elle parle très mal français, elle est meilleure en anglais, bien, faites la démarche en anglais ou sinon, c'est comme de la fausse information. Donc, voilà. On n'en parle pas souvent, là, mais c'est ça. C'est, dans le fond, la question m'est venue d'une personne, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui a fait des démarches dans un centre de détention. Puis eux autres sont au niveau là, de l'Abitibi, où est-ce qu'ils reçoivent aussi toute la clientèle du Nord. Donc, une clientèle autochtone du Nord du Québec qui a peut-être eux autres. Peut-être leur langue maternelle, c'est vraiment la langue autochtone, puis la langue seconde, c'est l'anglais. Donc, ils vont offrir le service en anglais dans ce cas-là. Donc, ça pourrait être un exemple de situation. Voilà. Alors, ça fait le tour pour ma petite question du répertoire en anglais. Fait que voilà, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, mais on va y aller avec les gens qui sont là pour parler de les nouveautés, où est-ce qu'ils en sont rendus, y a-t-il des projets spécifiques? Fait que ben, vas-y, Sylvie, si tu as envie de jaser un peu, voir, tu sais, sur quoi, pour quel métier tu travailles, etc., ces temps-ci. Bien, il n'y a pas grande nouveauté de notre côté, sauf que on a fait des visites aussi sur le côté des écoles secondaires pour les classes pré-DEP, là. C'est sûr qu'on fait l'alternance, mais c'est surtout pour certains élèves qui peut-être qu'ils n'auront pas les préalables pour aller à la formation professionnelle.
puis qui ont un emploi. Donc, durant l'été, ben, on a ciblé ces élèves-là qui sont peut-être à risque de ne pas avoir leur préalable, donc pour utiliser peut-être les formations avec les passerelles. Donc, il y a peut-être ça là, qu'on s'est concentré pour certains élèves là, ciblés là, qu'on ne voulait pas là, qu'ils prennent une autre année, soit une année sabbatique. Hein, on n'aime pas ça entendre ça. Là, plus l'élève prend son temps pour arriver à sa formation, donc des fois le risque de quitter. Donc, on veut vraiment le garder, là, s'assurer de sa trajectoire puis de sa transition aussi. Donc, c'est plus de ce côté-là là, qu'on a travaillé certains élèves ciblés. Bien, dans les faits, ce que je comprends, Sylvie, c'est que chez vous, vous avez vraiment une approche préventive. Vous n'attendez pas que la personne soit partie. Comment tu fais, là, toi, là, pour travailler avec ces milieux-là? J'aimerais ça que tu t'expliques vraiment tout le réseau de communication qui s'est installé chez vous pour permettre ces choses-là. Qui fait le dépistage dans les écoles secondaires? Comment ils communiquent avec vous? Tu sais, vraiment, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, là, tous les modes de communication. Tu sais, comment les acteurs ont été mis en place? Par qui ont été identifiés? Puis après, c'est quoi vos canaux de communication pour arriver à de la prévention comme ça? Parce que c'est wow, quand tu dis, là, mais mettre ça en place, ce n'est pas si facile que ça. On n'a pas la prétention de toutes les sauver, là, comme on dit, entre guillemets, mais par contre, là, quand on est capable de faire de la prévention, c'est sûr que c'est avec les directions et les ressources éducatives et les directions de chaque établissement secondaire qu'on fait le suivi de certains élèves, profils d'élèves qui sont peut-être à risque, là, surtout quand ils ont soit un taux d'absentéisme élevé ou soit à plus de deux matières qui sont à risque de ne pas avoir la passation. Donc, c'est sûr que ces élèves-là, on lève un petit drapeau. Puis, c'est ça. Donc, on peut poursuivre le suivi avec eux, soit durant l'été ou de s'assurer de la transition de l'école secondaire à l'école formation générale adulte pour s'assurer qu'ils puissent faire justement la transition vers le métier ou vers une autre étude qu'ils veulent aller faire aussi. Donc, c'est certain qu'il y a un genre de comité, on appelle ça le comité suivi cohorte. Donc, on suit ces élèves-là avec, on dessine un petit peu un profil avec le taux d'absentéisme, puis il y a plus de deux matières qui ont de la difficulté, qui sont à risque. Donc, on s'assure soit qu'ils refassent les cours d'été ou soit qu'ils reprennent certaines matières à la formation générale adulte. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on fait un suivi là, de ces élèves-là. À votre comité, là, comment l'information est ressortie, par exemple, sur l'absentéisme? C'est un rapport qu'une secrétaire a fait, la secrétaire des absences qui fait un rapport? Ou bien, on a un outil suivi cohorte là, qui on a un peu, comment on appelle ça, on peut aller soulever des critères. OK. Donc, si on marque le taux d'absentéisme, ou c'est ça, donc... dans ce temps-là, ces élèves-là ressortent du lot, si vous voulez. Donc, on sait de tel niveau de secondaire qu'il y a tant d'absences, fait que le nom de ces élèves-là. Donc, une prise en charge à l'intérieur de l'école secondaire, puis par la suite, ben, on s'assure de cette transition-là, soit vers la FGA ou vers la FP, ou peu importe sa trajectoire ou son projet de vie, là. Puis ça, c'est comme une base de données informatique spéciale, exact. Ou c'est celles qui sont déjà là, que tout le monde travaille dans GPI, ben, je ne sais pas c'est, quoi? Non, c'est ça, c'est une base de données différente là, qui a été, en guillemets, inventée là, par nos professionnels de l'informatique. Là, ben, de plus en plus, je vous dirais... dans l'Outaouais, chez nous, les services scolaires, les centres de services scolaires utilisent pas mal cet outil-là, si vous voulez. Donc, même dans les écoles secondaires, tu sais, de faire le suivi des élèves avec certains enseignants, puis dès qu'ils ont un taux d'absentéisme élevé ou à plus de deux échecs là, dans certaines matières, surtout après le deuxième bulletin, donc on prépare déjà là, pour... si vous voulez, là, de faire des actions préventives, si vous voulez, là, pour ces cas d'élèves-là.
Ben moi, je fais juste wow dans ma tête. Vraiment, c'est ça. Parce que c'est ça la question, c'est les défis de communication où, dans le fond, c'est réglé par la mise en place d'un système informatique qui permet au secteur des jeunes d'aller indiquer des informations et vous avez accès à ces données-là. Exactement. Une fois, mettons que le petit flag est levé, là, qu'il y a deux cours en, c'est ça, là, deux matières en échec ou sur le banc, puis ça commence à manquer. Ça va ensemble. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la première chose que. Puis qui fait la première action? Bien, les premières actions, comme je vous dis, c'est chacune des écoles secondaires font des actions sur leur profil d'élève à chacun d'eux, hein, parce qu'il faut, si vous voulez responsabiliser chaque établissement, fait en sorte, là, si vous voulez, de bien entourer, puis de bien accompagner, si vous voulez, les élèves. Puis par la suite, bien, là, lorsqu'on voit qu'on est arrivé au bout du chemin, si vous voulez, avec l'école secondaire, ou s'il a quitté, ou s'il est sur le point de quitter, bien, c'est sûr que là, nous, on fait appel, puis on essaie de récupérer le plus rapidement possible. C'est un peu pour ça qu'on a instauré aussi un filet de sécurité avec nos partenaires externes. Hein, vous savez, les Carrefour jeunesse-emploi de ce monde. Et donc, on a des beaux filets de sécurité là, avec nos partenaires externes et tout ça. Puis, si on revient à parler de... La RAC, si vous voulez, la reconnaissance des acquis, mais c'en est un filet de sécurité aussi parce qu'on a un beau partenariat avec nos employeurs, justement, d'inciter parfois ou d'encourager à qui puisse avoir sa première certification avant l'âge de 20 ans et par la suite de peut-être vouloir poursuivre là, avec les acquis qu'il y a déjà et probablement pas parce qu'il n'y a pas de DES. Des fois, avec une reconnaissance des acquis, avec le niveau de secondaire où ils sont rendus, ils peuvent avoir plusieurs formations professionnelles accessibles pour eux, puis de très beaux métiers. Donc, on passe d'un semi-spécialisé à quelque chose de spécialisé par la suite à la formation professionnelle. Quel beau cheminement, puis quel beau... Donc, ils sont souvent encouragés par rapport à toutes ces démarches-là. Là. Bien, merci beaucoup, Sylvie. Puis... Dans le fond, je ne sais pas si vous êtes dans les statistiques, là, mais c'est quoi ton taux de récupération? Avez-vous des statistiques? Ben non, ben je ne veux pas être... c'est pas une question aussi... parce que ça, on le dit souvent, c'est certain, avec ce suivi-là, on a amélioré notre... pour le décrochage scolaire, c'est sûr qu'on a amélioré beaucoup. On a amélioré notre taux de diplomation et qualification. Mais moi, je reviens toujours à dire oui, il y a une statistique derrière tout ça, mais il y a un humain aussi à chaque, oui. à chaque action qu'on a faite pour ces. Fait que moi, écoutez, ça c'est vraiment c'est ma paye, c'est notre paye à tous. Donc, vraiment, c'est. J'en parle, puis je suis toujours émotive parce que chaque cas est unique. Puis chaque cas fait en sorte que autant, comme je vous dis, la communauté, les employeurs et tout ça. Les entreprises sont en manque de personnel, mais en même temps, il y a un bel esprit de collaboration avec nous, de vouloir utiliser la reconnaissance des acquis des métiers semi-spécialisés pour ensuite les pousser à aller plus loin vers peut-être une formation professionnelle. Donc, ça donne vraiment de beaux projets à tout ça. Fait que sans prétention, je ne veux pas parler de... Mais il y a une amélioration, assurément. Mais sans parler de chiffres comme tel, mais comme je vous dis, de beaux êtres humains derrière tout ça qui sont vraiment, que ça a changé leur vie. Vraiment, ça a changé leur vie. Bien, c'est la mise en place d'un système. C'est la mise en place du système. Je pense que c'est votre approche humaine. Là. Tu sais, tu as vraiment, Sylvie, là, cette force-là de... Une belle collaboration, c'est un travail d'équipe. Hein. Vous savez, je ne suis pas la seule là-dedans. Je suis la porte-parole, mais on est toute une équipe, là. Chaque école secondaire ou chaque centre de service a ses agents de développement. Donc, des fois, agents de développement, mais ça a cette partie-là qu'on a de rendre cette communauté-là avec un beau filet de sécurité qui fait que tout le monde, ben, on se parle puis dit « Ah, ben il est chez nous, première qualification, première certification et tout ça. » Donc, c'est de beaux résultats. On en voit même
à la formation professionnelle, qu'il y en a que ça faisait plusieurs années qu'ils essayaient de tenter d'avoir ces préalables, mais que pour cette personne-là, les mathématiques, c'était tellement difficile. Mais en utilisant justement la reconnaissance des acquis, il a pu avoir, c'est pas tous les métiers là, que les passerelles, j'en Non, mais conviens bien, certains, c'est mais ça. par contre, ça l'a vraiment donné toute une différence dans la vie de cette personne-là. Donc, il y a vraiment de beaux parcours qui font toute la différence, là, justement, avec cette reconnaissance des acquis. En tout cas, merci. Ben, merci, Sylvie. Voyons. Tes témoignages sont toujours vraiment. Sont touchants. Je pense qu'ils donnent envie au réseau de se mobiliser quand les gens entendent ça. Merci. Merci à vous. Ouais, j'ai une question pour toi, Sylvie. Oui. Dernièrement, le ministère a fait un exercice de consultation sur des transitions scolaires FGJ, FGA, FP. Est-ce que tu as participé à cet exercice-là? Bien, si je ne me trompe pas, ça s'appelle le TRANPA ou le TRAN. En tout cas, ils sont venus nous rencontrer dans certaines communautés, puis ils ont dit qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous trouvez qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous faites qui fonctionne. Puis je me demandais si toi, tu avais amené ton eau de ton moulin à cet exercice-là. Sinon, ben oui, tu es allé? Okay. J'ai été consulté justement là-dessus. Et écoute, ils ont trouvé vraiment nos histoires inspirantes aussi. Puis si on peut donner le goût à plusieurs réseaux à travers le Québec, ben ça sera notre force, assurément. Parfait, parce que moi, je l'aurais fait. Je l'aurais transféré ce bout-là au ministère pour qu'ils puissent voir ce que vous faites qui est proactif, qui s'assure qu'il n'y a pas de trou. Hein, on le sait, tu l'as dit tantôt. Quand il y a un trou entre les deux, c'est sûr que les élèves ont un risque de s'échapper puis d'aller vers le marché du travail ou faire autre chose. Hein, on le sait. C'est non qualifié puis non qualifiant aussi. Ça fait vraiment une différence. Oui, ben, je te dis merci à mon nom propre et au nom de tous les gens qui sont préoccupés par nos jeunes. Ben, c'est bien gentil, merci. Là, je vais pas. J'ai pas beaucoup de choses à ajouter pour cette fois-ci. Sylvie, tu auras fait aujourd'hui l'après-cours parce que je veux dire, des fois, c'est de dire, ils font ça, mais la mise en place. Je vais poser une dernière question à Sylvie. Ça l'a pris combien de temps à mettre tout ça en place pour que ça roule, votre système et tout, là? Bien, c'est certain que, si vous voulez, l'outil a été conçu à mon autre centre de service, qu'on avait un outil que, justement, ma directrice avait pensé, donc avec toute la Grix, puis les personnes qui travaillent en informatique ont pu, avec toutes nos pensées, ont pu justement bâtir cet outil-là. Mais faut même avoir l'outil, il faut quand même avoir les personnes autour de cet outil-là parce qu'on peut regarder des chiffres puis de voir. Des fois, ça fait peur. Tu sais, comme moi, j'ai changé de centre de service, là, puis les chiffres étaient gigantesques. Là, je me disais, mon Dieu, je ne pourrais pas toutes les sauver. Mais c'est pas juste un outil qui nous donne des chiffres, il faut vraiment être en action. Donc, c'est ça, c'est comme je vous ai dit tantôt, c'est vraiment chaque école, chaque établissement secondaire, sa prise en charge à l'intérieur. Puis lorsqu'il est, l'élève a vraiment quitté, bien là, nous, on a une autre équipe, soit, si vous voulez, qu'on prend en charge ces élèves-là qui ont quitté. Donc, vous voyez, chacun a sa responsabilité, mais le point final termine en FGA, FP, chez nous, parce que c'est nos derniers... comment je pourrais dire, c'est la dernière étape là, du projet de vie de l'étudiant. Mais oui, malgré l'outil, il faut quand même avoir... Donc, quand même, en moins, je vous dirais, les gens étaient vraiment emballés d'utiliser cet outil-là, puis... de vouloir aussi de pouvoir instaurer ce filet de sécurité-là. Autant les TES que les enseignants qui suivent les élèves et tout ça, bien, pour eux, c'est plus facilitant de dire, bien là, on va se concentrer sur une partie de nos élèves, sans oublier ceux qui fonctionnent bien aussi. Il ne faut pas les oublier non plus, mais juste s'assurer justement.
quand même, en moins de 2 ans, on peut dire que ce beau filet-là, puis à chaque fois, s'il y a une rotation de personnel, bien, on s'assure que la personne qui remplace l'autre, il y a une belle transition. On fait des rencontres quand même assez régulières. Hein? On ne se dit pas qu'on se voit une fois ou deux par année. Là. C'est vraiment aux 3-4 semaines. Donc, il y a un suivi quand même assez rigoureux. Puis, malgré le suivi, s'il y a quelqu'un qui nous a échappé ou qui a quitté, bien, c'est sûr qu'il y a un drapeau qui est levé. Puis, toutes les formes, comment je pourrais dire, toutes les autant les conseillères d'orientation, ou ceux du SARCA, tous les professionnels autour sont présents. Donc, ça fait toute la différence. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration là, qui fait en sorte que ça fait toute la différence. Puis j'imagine, Sylvie, que la mesure 1568 là, pour accrochage scolaire est venue vous appuyer là-dedans avec tu as parlé tantôt des agents là, de développement, je pense que des années. Exact, exact. Donc là, c'est arrivé à point nommé pour vous autres, ça, j'imagine. Bien, je pense bien que oui. Là, ça, là-dessus, c'est plus les directions qui pourraient vous répondre là-dessus, là, parce qu'il y a tellement de mesures de toutes les sortes et tout ça. Sans vouloir dire qu'on profite de quelque chose, mais de profiter de ces mesures-là, mais pour amener à de beaux résultats de cette façon-là, moi, comme je vous dis, c'est de voir... de redonner vie à leur projet de vie, à toutes ces personnes-là, puis peu importe l'âge. C'est sûr que les moins de 20 ans nous interpellent beaucoup, mais même après ça, là, on peut aussi prendre en charge là, quelqu'un qui a une démotivation, puis que ça fait tant d'années qu'il est en FGA, puis que son rythme n'est pas aussi... parce que des fois, il y en a qui ont peut-être la pensée magique de dire « je vais aller à mon rythme puis je vais y arriver », mais des fois, au bout de 2, 3, 4 ans, fait que des fois, on leur donne d'autres alternatives qui fait que ben ils trouvent vraiment leur beau projet là, mettre en action là, plus facilement. Mais j'ai envie de la partager. Là. J'ai été la chercher pendant que Sylvie parlait. Je vais vous la partager. C'est quoi cette mesure-là? Peut-être pour les personnes qui sont en réécoute, qui la connaissent moins. Donc, dans les règles budgétaires de fonctionnement, ça s'appelle... Bien, premièrement, c'est une mesure dédiée. Ça, c'est important. Quand il est écrit « mesure dédiée », là, je vais faire des mauvaises dates, préparez-vous, c'est que tu ne peux pas mettre du gazon dans le cours d'école d'une école primaire. C'est vraiment... Ça peut être utilisé... que pour ça. Donc, le nom de la mesure, quand vous n'aimez pas les chiffres, c'est partenariat stratégique pour le raccrochage scolaire. Puis je pense que ça, c'est vraiment, trouves-tu, Sylvie, c'est ça que vous faites? C'est exact. Tu sais, ça décrit tout ce que tu as décrit maintenant. On va le voir comment le ministère l'a écrit, mais dans le fond, ça semble être vraiment ce que vous faites. Donc, élément visé, la mesure vise à favoriser le raccrochage scolaire. Principalement celui des jeunes pour qui la poursuite d'une formation dans un milieu non institutionnel ou alternatif. Fait que c'est là que tu disais les partenariats, les carrefours jeunesse, qu'est-ce qu'on peut faire pour être avantageuse. Il s'agit de soutenir dans toutes les régions du Québec le développement de partenariats stratégiques entre le réseau de l'éducation et les organismes communautaires et alternatifs œuvrant auprès des jeunes. Puis moi, je trouve qu'est-ce qui est intéressant que vous faites particulièrement, c'est que vous, c'est un partenariat à l'interne du réseau de l'éducation entre la FGI, la FGJ et la FGA. Parce que des fois, on est bien pressé d'aller faire des partenariats avec l'externe quand, à l'interne, on préfère plein de choses, PREDEP, parcours, FMS, RAC FMS. Il y a plein de choses qu'on peut faire, puis des fois, on est bon avec un partenaire externe, on travaille en silo entre un peu les trois grands pôles, là, FGA, FGJ, puis formation professionnelle. Fait que ça, je trouve que garder le monde à l'école, ben, c'est quoi toutes les possibilités à l'école? Ben, c'est pas juste dans la polyvalente, en formation générale des adultes, il y a assez des belles choses aussi. Et les partenaires externes aussi, mais je trouve que vous autres, vous l'avez, puis ils disent à favoriser le raccrochage scolaire, mais vous autres, vous favorisez plus que ça, vous favorisez le maintien
sais, je pense encore plus fort que ça. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? L'allocation permet notamment de soutenir minimalement l'embauche d'un agent de liaison par organisme scolaire qui pourrait être un conseiller d'orientation. Ils ont donné une petite piste, mais je pense qu'il y a toutes sortes de personnes qui peuvent être pertinentes là-dedans. D'organiser des services et de la formation en milieu non institutionnel et alternatif, notamment par l'entreprise d'entente avec des organismes communautaires ayant déjà une expertise en éducation, des organismes de lutte contre le décrochage scolaire qui travaillent avec les jeunes, écoles de rue, maisons familiales rurales, etc. Nous, on travaille avec les entreprises pour l'ARAC FMS, ce sont nos partenaires. Combler l'écart des coûts supplémentaires pour la formation de groupes infirmières à la norme établie. Bonifier et maintenir des services de soutien psychosocial. Des fois, si l'apprentissage ne fonctionne pas parce qu'il y a peut-être d'autres choses à régler pour une certaine clientèle, puis c'est ça. Je sais que, je vais vous donner un exemple, quand ici, pour les services aux entreprises, des fois, on faisait des AEP ou des formations sur mesure là, pour une clientèle là, qui venait de Service Québec, des gens un peu plus éloignés du marché du travail, puis les éléments qui faisaient qu'ils n'étaient pas capables d'intégrer le marché du travail, ce n'était pas juste une compétence technique. C'est pas le problème, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas capables d'utiliser une scie ou d'opérer un chariot élévateur. Il y avait besoin de plus s'organiser le matin et de motiver tout ça. Fait qu'on avait mis, avec justement un organisme partenaire, là, la travailleuse sociale qui venait des fois 2-3 jours semaine dans l'école. Pendant qu'on donnait le soutien, pendant qu'on donnait les formations, comme ça, quand il y avait une petite crise qui arrivait, bien là, ce n'était pas l'enseignant qui est bon en chariot élévateur, qui était bon en psychosocial. Fait que, c'était comme ça aussi qu'on arrivait à soutenir les personnes dans le développement des compétences, mais aussi dans le développement personnel vers un maintien en employabilité. Fait que, je pense que ce que je veux juste mentionner, le soutien psychosocial, là, c'est vraiment un élément qui peut amener une différence significative dans ces projets-là. Couvrir tous les autres frais liés à les interventions visant le maintien du jeune dans son projet de formation, ben voilà, c'est fin, hein, là, la formule de location. Ça fait partie des statistiques, hein, t'as-tu beaucoup décroché tout ça, là, puis à ce moment-là, il y a une location. Il faut savoir, encore une fois, l'allocation de l'organisme scolaire est accordée a priori. Ça veut dire que tous les centres de services scolaires l'ont reçu. Et des fois, si vous écoutez ça, là, puis vous dites « Ah, mais nous autres, je ne sais même pas qu'est-ce qui se fait avec ça », bien, posez la question parce que vos services des finances, eux autres, ils l'ont reçu, ce montant-là. Il a été donné pourquoi? Des fois, si on veut s'assurer qu'il est utilisé pour les bon escient ou on voudrait mettre quelque chose en place puis qu'on ne s'est pas encore mobilisé, là, ça vaut la peine d'aller voir ça. On dit, bon, cette mesure est dédiée. Donc, quand une mesure est dédiée, elle doit être utilisée pour ça, mais elle peut être transférée dans le groupement là, des mesures. Là, tu vois, les allocations découlant de cette mesure sont transférables à l'une ou l'autre des mesures du regroupement 15-020, soutien à la persévérance, ou une autre des mesures du regroupement 1560. Activité éducative innovante en formation générale des adultes. Fait que des fois aussi, c'est des vases communicants, tu sais, plus de quelqu'un qui va travailler sur plusieurs mesures. Donc, voilà. Je voulais arrêter mon partage d'écran, mais dans le fond, je vais le garder parce que je vais être rendue à l'étape de vous partager les différentes ressources là, au niveau de l'ARAC FMS. Donc, je vais vous partager ça tout de suite. Bon, premièrement, la première place qui est intéressante, là, si vous êtes nouveau, c'est nouveau pour vous, l'ARAC FMS, c'est vraiment le site d'accompagnement intégration socio-professionnelle là, dans la section RAC FMS. Donc, c'est là que tous les documents qui ont été travaillés par le ministère de l'Éducation sont là. Donc, on a le guide administratif qui est comme le livre de recettes « Comment faire l'ARAC FMS ». On l'a en français, on l'a en anglais. On a aussi les documents de promotion, donc le guide de la personne candidate. Juste à mentionner qu'on les a faits en français et en anglais, donc même un centre de service scolaire francophone pourrait s'en faire imprimer quelques-uns en anglais si jamais ils vont dans des milieux qui auraient une clientèle plus à l'aise à faire une démarche en anglais, par exemple. Puis, je veux juste mentionner qu'on a toujours comme deux versions
des guides, une version web, puis la version pour impression. Donc, c'est à noter que la version pour impression, il y a les marques de coupe et les marques de pli. Donc, c'est ce qu'on vous dit au début de l'année. J'en vais faire 250 impressions. Là c'est pour les imprimeurs professionnels. Ce n'est pas pour l'imprimante au bout du couloir dans ce sens-là, utiliser la version web. Ensuite, il y avait d'autres petits documents de présentation à l'employeur en Word, un plan d'action pour l'employeur, un guide vraiment avec une super belle, une belle mise en page là, possible. On avait fait un petit tableau. Toi, Sylvie, comment tu t'organises? Là? Parce qu'à un moment donné, tu en as beaucoup. Là, à un moment donné, vous en avez quand même plusieurs, des personnes candidates. C'est quoi ton outil de suivi pour savoir où est-ce que tu es rendu pour chacun? Ben effectivement, on utilise votre tableau de suivi, là, vraiment. Puis on s'est fait des onglets en dessous avec le nom de chacun avec qui on travaille. C'est comme ça, on s'assure de pas utiliser le même nom ou le même élève ou quoi que ce soit. Donc, on a vraiment on utilise cet outil-là. Parce que c'est ça, comment on l'avait fait, puis c'est à tester, puis à bonifier, on s'était dit, bien. On va mettre, tu sais, des fois, quand on va par, tu sais, selon comment vous faites votre développement, tu sais, il y en a qui vont vraiment plus par l'employeur, puis font 8 personnes dans une entreprise, bien, on avait mis des onglets par entreprise, tu sais. Si tu y vas de manière plus individuelle, bien là, tu es mieux de faire ton onglet par personne, tu sais, ou par école, tu sais, mettons, tu pourrais dire tous les élèves de cette école-là, où est-ce que je suis rendue. C'est là qu'on avait mis un peu pour chacune des étapes de la démarche. Bon, bien, quand est-ce que tu l'as rencontré? Quand est-ce qu'il a déposé son dossier? Mon dossier est complet. Quand est-ce que j'ai fait l'entrevue de validation? C'est qui mon spécialiste de métier? Au niveau de la formation générale, la préparation au marché du travail, est-ce que tout est beau? Parce qu'à un moment donné, ça fait beaucoup de petits détails pour chaque dossier de personne candidate. Là, tu sais, on en parle, puis c'est la grande idée, mais quand on arrive dans le détail d'un dossier physique, d'un dossier numérique, il y a beaucoup d'éléments à s'assurer avant de dire, hop, on va déclencher, demander au ministère qui déclenche la certification. Donc, c'est ça. Puis ici, bien, on fait mettre vos petits revenus là, pour savoir des fois là, si tout balance. Là. Donc, c'était un petit... un petit outil des fois, quand on est à nos premières expérimentations, on en a 5, là, bon, bien, ça va bien, mais là, quand c'est une autre entreprise, de plusieurs personnes candidates, bien, des fois, il faut se structurer un peu aussi pour savoir où est-ce qu'on est rendu ou dans notre déclaration, etc. Ça va vraiment bien, cet outil-là. Mais un jour, on aura une grosse base de données, là, mais là, pour là, on y va à la manosse dans Excel. Puis ici, bien, c'est un plan d'organisation qu'on propose. Si vous voulez débuter, vous dites, ah, wow, on veut faire comme Sylvie Paul et faire plein de... Bien, c'est ça, mais il y a quand même une organisation à l'interne pour dire qui fait quoi, puis c'est qui la secrétaire où est-ce qu'il déclare, puis où sont les documents. Donc, c'est vraiment pour un petit plan pour vous organiser de manière administrative dans votre organisme scolaire. Donc, puis c'est encore une fois, c'est un document Word, donc vous pouvez aller un peu ajouter des choses, préciser, bonifier, mais au moins pour vous structurer quand vous décidez, vous, peut-être pour l'année 23-24, de dire là, on veut vraiment faire une mise en place là, avant de courir dans les entreprises, bien, il faut faire la petite organisation administrative. Il ne faut pas dire, ah, j'ai un dossier, mais qu'est-ce que je fais avec? Tu sais? Non, on ne sait pas quoi faire. Donc, voilà. Ça peut être très utile quand, des fois, ça peut être travaillé en équipe aussi. Donc, il peut avoir dit, bon, chez nous, c'est un peu ça aussi. Là, il y a des équipes qui font, une personne fait une partie, l'autre fait l'autre partie pour ensuite valider tout le monde ensemble. Donc, c'est très, très, très utile, là, ces petits guides-là et ces plans d'organisation-là. Bien, Sylvie, tu es en train de nommer ma conclusion de l'atelier que je vais présenter à la Kiev Géant. Parce que qu'est-ce que j'ai vu depuis le début du lancement de la REC FMS? Où est-ce que ça fonctionne? C'est où est-ce que les gens travaillent en équipe? Tu sais, quand il y a juste une personne tout seule, bien, à moins qu'elle soit vraiment expérimentée au niveau du marché du travail, tu sais, c'est difficile là, de commencer à faire du démarchage puis trouver, puis d'aller dans les milieux. Fait que moi, je pense que les places que ça fonctionne bien, là,
c'est quand il y a des équipes en place, plusieurs personnes qui se soutiennent, qui sont complémentaires, qui s'encouragent. On se rend compte que ça fait vraiment une différence significative dans la réussite de l'implantation d'un service RAC FMS. Fait que, tu sais, quand on fait juste rajouter ça sur une tâche parmi 25 tâches d'une personne, ça ne fait pas partie des conditions gagnantes. C'est de mettre une équipe en place, un peu comme vous avez fait chez vous, les forces de chacun. Puis là, quand on travaille dans nos forces, d'habitude, ça avance les choses. Donc, ça, je vous le dis, c'est tout à fait Sylvie. Ici, on a des petites vidéos, là. Donc, si c'est vraiment nouveau, la RAC FMS, si vous écoutez les après-cours, bien, des fois, il faut vous manquer de l'information. Donc, c'est quoi le contexte, les modalités administratives de la RAC FMS? Ensuite, c'est 20 minutes chaque vidéo, là, ça s'écoute en une heure. Ensuite, la démarche de la RAC FMS, hein, les étapes de l'accueil à l'entrevue de validation. Puis après ça, de l'observation des compétences à l'évaluation. Donc, on vous explique bien ça. Donc, si vous aimez m'écouter, bien, c'est la même personne qui parle sur ces petits enregistrements-là. Puis, il y a d'autres petites formations qui ont été données là, dans les au fil du temps. Puis, on l'a vu tantôt au début, mais la foire aux questions de la RAC FMS. Quand vous allez dans la foire aux questions là, du site d'accompagnement d'intégration socio-professionnelle, là, je ne passerai pas chacune des questions, mais si c'est nouveau pour vous, la RAC FMS, ou même une fois par année en équipe, là, d'aller toutes les revoir, des fois, ça vient, des petites questions qu'on se pose ou on ne sait pas trop, là, faire un bon tour. Puis des fois, quand il y a des nouvelles questions qui sont posées, quand vous nous posez, bien, à moi ou à Isabelle Bus, ben des fois, on dit, ben on va l'ajouter à la foire aux questions quand ça vient amener des précisions pour votre travail. Donc, ça, c'est vraiment des outils utiles. Moi, honnêtement, une question sur deux que les gens m'envoient, il y a réponse dans la foire aux questions. Puis là, je me dis, maudit, est donc bien fait cette foire aux questions-là. Tu sais, on avait quand même fait le tour de beaucoup d'éléments. Sinon, c'est quand on va tout simplement, là, les autres outils, c'est au niveau des après-cours. Ça fait quand même 3 ans hein, qu'on anime Richard, qui est toujours au poste pour nous soutenir. Richard Pinchot, là, le soutien technologique dans les après-cours. Fait qu'à un moment donné, je retournais là-dedans. Là, ça en fait des années. C'est quand on arrive ici dans la page des après-cours, c'est dans la bibliothèque des ressources partagées. Bien, on a plein de choses. On a, bon, si vous voulez les instruments pour faire la RAC FMS, bien, à ce moment-là, il y a la liste des centres de services scolaires qui ont développé là, des instrumentations locales pour les métiers. Donc, réinventez pas la roue, allez voir qui en a fait, puis demandez le partage. Puis sinon, bien, on a mis, là, à chaque fois qu'on présente un document dans le cadre des après-cours, on va toujours aussi l'ajouter, des documents, des vidéos, etc. On va l'ajouter dans la bibliothèque. Donc, même si vous écoutez différents enregistrements des après-cours, bien, ici, il y a les dates des après-cours. Fait quand vous dites, ah mon Dieu, ils ont dit qu'ils partageraient dans la bibliothèque, bien, allez-y par date, puis vous allez retrouver l'après-cours, là, où est-ce qu'on a abordé cette thématique-là, où est-ce qu'on a pu mettre c'est ça, le document en lien pour vous aider. On peut rappeler peut-être, Maryse, là, pour rechercher dans la bibliothèque de façon plus facile, le raccourci clavier, CTRL-F. Et là, on écrit le mot qui nous intéresse, puis ça nous amène dans la bibliothèque, parce qu'elle commence à être assez chargée, la bibliothèque, donc ça nous permet de rechercher rapidement des documents. Mettons, je voudrais voir juste les vidéos. Je ferais vidéo. Là, tu en as une sur quatre, donc tu utilises les flèches à droite. Je me dis, ah, j'aimerais ça avoir des vidéos, puis là, je voudrais avoir des vidéos partagées par courriel, par exemple, à des employeurs, mettre ça sur le LinkedIn, mettre ça sur le Facebook, mettre ça sur ma page Internet de mon centre de services scolaires qui parle de la RAC FMS. Mais à ce moment-là, je pourrais y aller comme ça. C'est donc bien le fun. Tiens, regarde, on en a 4 vidéos. Une vidéo de démarchage, une vidéo de promotion. Et voilà. Puis, c'était l'exemple d'un site ici. Puis, il y avait une vidéo. Fait que, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On a fait pas mal le tour de nos,
de nos outils. Sinon, ben, je suis encore là, je pense que, Isabelle, on peut dire que je devrais être renouvelée pour 2023-2024 comme soutien au réseau. Donc, n'hésitez pas là, non plus, mais mes coordonnées sont toujours aussi là, sur le site des Après-Co. Donc, si vous avez quelques questions que ce soit. Si vous débutez, vous débutez des réflexions pour la mise en place là, du service de RAC FMS, puis vous voudriez discuter avec moi, ça fait partie des services que j'offre. Là. Ça peut être des petites rencontres à distance des fois. Les centres de services scolaires réfléchissent à ça, puis on fait une petite rencontre avec le On parlait d'une équipe, là, Sylvie, là, type, là, on fait une petite rencontre de groupe en team, Richard, malheureusement, pour toi, on fait des blagues, pour un gestionnaire, le conseiller ou la conseillère d'orientation, les personnes professionnelles, des fois, ça va être les enseignants, l'ISP, tout ça, la TOS aussi, puis on jase de tout ça, les rôles. Donc, ça aussi, là, si vous voulez vous voulez faire une mise en œuvre, là, ça va vraiment me faire plaisir là, de réfléchir, répondre à vos questions. Puis sinon, ben, quand on commence, vous avez vos premières expérimentations, ben, tu sais, je peux vraiment vous accompagner à toutes les étapes là, de dire OK, je vais faire mon accueil, je vais présenter la règle dans l'entreprise à l'employeur, qu'est-ce que je dis. Puis, tu sais, des fois, avant qu'on ait vraiment notre message clair, notre message articulé, nos avantages. Tu sais, on écoute les après-cours, on dit tout c'est bon, mais des fois que nous-mêmes, on la fasse, la présentation orale là-dessus, des fois, là, on peut se pratiquer, travailler un petit peu ensemble notre argumentaire. Puis après, à chacune des étapes, de dire OK, je suis rendue à telle étape, j'ai peur d'oublier des choses, bien, vous pouvez, là, on peut s'organiser une rencontre, c'est très facile. Donc, même j'ai un petit lien dans mon adresse courriel, m'envoyer un petit courriel, marise.delille@commercial.csb.qc.ca. Puis, on se fait une petite rencontre team. Donc, on est là pour vous supporter. Donc, c'est vraiment le ministère de l'Éducation qui souhaite vous offrir le support nécessaire pour pouvoir offrir ce support-là. Donc, c'est pour ça qu'Isabelle Busque est avec nous. Là, c'est avec elle qu'on travaille là, sur l'entente de la RAC FMS pour supporter le réseau. Bien, merci parce qu'évidemment, c'est grâce au support financier du ministère que je peux être là à chaque mois avec vous et aux événements. Et c'est là que tout les échanges riches, tu sais, d'écrire un guide administratif puis de répéter qu'est-ce qui est dans un guide administratif, c'est une chose, mais d'entendre les gens en faire, en expérimenter puis aller encore plus loin dans les retombées, les avantages, les leviers pour nos personnes, tu sais, je pense que c'est ça qui est vraiment fantastique. Merci beaucoup. Fait que le prochain après-cours, là, j'ai oublié de le prendre en note, Richard, ça va être en mai. Peux-tu me rappeler, c'est quelle date? C'est-tu le 18 mai? Exactement, le 18 mai. Le 18 mai, c'est ça? 18. C'est ça. Fait que ceux qui veulent être au rendez-vous, prochaine rencontre en présentiel, je sais qu'il y a des gens qui ne sont toujours pas disponibles, qui l'écoutent en différé, mais aussi si vous l'écoutez en différé, mais que vous auriez voulu partager quelque chose, mais que vous n'êtes pas disponible, n'hésitez pas à m'envoyer un petit courriel. Puis moi, je vais la raconter, votre petite histoire, ça va me faire super plaisir parce que c'est vraiment vous, la communauté de la RAC FMS. Donc, c'est quand vous êtes là pour échanger que c'est ça qui fait lever le service à travers le Québec.